Alléluia, c'est pourquoi cette soirée Alléluia. Alléluia, c'est louer l'Éternel. Alléluia veut dire louer l'Éternel, louer celui qui est. Pourquoi nous devons le louer? Parce que lui seul est digne de nos louanges. Alléluia ouvre le psaume 146 qui vient apporter comme une réponse aux questions d'une personne. Une personne qui se dit pourquoi je dois me confier à Dieu, mais on ne peut que se confier à Dieu seul. Pourquoi alors le célébrer? Pourquoi nous retrouver autour de cette personne? Parce qu'il est le seul. Il est digne de notre louange, il est le seul qui est digne de notre confiance. Proskuneo, c'est un concept, c'est une belle aventure. Nous mettons en place, Madame Guéma et moi. Il y a dans cette aventure un ensemble de couloirs, parmi lesquels le couloir lié à la formation en écriture, afin de faire naître et d'inciter le jeune chrétien ou même l'ancien à être parolier, à faire corriger ses textes, à écrire, à composer, à être auteur, compositeur, autant que possible. Et il y a le couloir de Proskuneo lié à la célébration. C'est celui qu'on a vécu ce soir. Vous voyez Proskuneo comme un ministère. Un ministère qui a vocation à s'étendre afin de produire un certain nombre de personnes qui ont des talents. Parfois, il manque juste une opportunité pour que ces personnes s'expriment. Proskuneo vient pour combler ce vide afin d'exprimer, d'aider, de consolider et de produire autant que possible des personnes talentueuses. Nous voulons exprimer ici notre reconnaissance à Dieu. Célébrer le Seigneur, c'est rendre gloire à Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple et la chapelle a été honorée de recevoir le couple Nguema pour célébrer le Seigneur. Donc nous sommes dans la joie parce que le peuple était enthousiaste. Beaucoup ont reçu une visitation de l'Esprit et nous croyons que beaucoup de vies ont été transformées pendant ce moment. Donc nous ne pouvons qu'exprimer la joie. Voilà, la joie. Et la Bible dit là où un ou deux sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous pensons que toutes les personnes qui sont venues rencontrer le Seigneur. Et pourquoi la chapelle de la mission? Très bien située dans Ovando. Ovando, dans le centre de formation théologique de l'Église d'Alliance chrétienne du Gabon et missionnaire du Gabon. Et c'est une chapelle qui est chaleureuse, ouverte à toutes les personnes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur.